Je suis Monsieur Clao Lesmontier-Ruwish. Je suis un pasteur aumônier et superviseur du centre de réinsertion de Thiassalé. Le centre de réinsertion de Thiassalé est un centre socio-professionnel qui a pour rôle de former les enfants, qu'on appelle aujourd'hui les enfants en conflit avec la loi. Ce sont des enfants qui nous sont donnés par le ministère de la Justice et ces enfants viennent au centre de réinsertion de Thiassalé pour une formation d'une durée de 1 an. Ils viennent pour apprendre l'agropastorale, on leur donne la formation en pisciculture, la formation en agriculture hors sol et plein sol, on leur donne aussi la formation en sculpture pour voir comment transformer un morceau de bois. Et ce centre a pour but de rendre utile ce qu'on appelle aujourd'hui les inutiles de la société. D'abord, nous savons que nous vivons une période où la démographie prend de plus en plus de l'ampleur et aujourd'hui le besoin de nourriture s'impose à tous les niveaux. Et on a jugé opportun d'offrir cette formation-là à ces jeunes-là pour qu'ils puissent vraiment s'engager parce que l'agriculture est un métier prometteur qui pourra vraiment permettre à ces enfants-là de se prendre en charge. Parce que quoi qu'on fasse, où qu'on soit, on ne peut pas se passer de la nourriture. Et en ce qui concerne les semences, puisque en agriculture, on a obligatoirement besoin de la semence. Il ne peut pas y avoir d'agriculture sans semences. Alors nous prenons nos semences parfois avec Calivoire, parfois aussi avec certaines structures sur le marché de la semence. Mais parfois aussi, on a des difficultés. Parce que ces semences-là, lorsque nous les mettons en sol, bon, certains arrivent à germer facilement, mais il y a des semences, parfois, quand on fait le semis, il n'y a rien en retour qui pousse. Là, vraiment, on a besoin vraiment d'une semence de qualité pour nous permettre de réussir le travail que nous faisons.